fait le blanc dans son quotidien, qu'est-ce qu'il fait? Volkswagen, et c'est un Up et Up, voilà. Qui Up et GK 882 WV. Allez, éteindre vos phares si vous voulez pouvoir repartir. Merci. Merci Franck. Et alors après les jets, on revient un petit peu en arrière dans l'époque, aux fondamentaux avec les oiseaux de guerre, autrement dit les Warbirds. Au décollage, un P-47 qui est un appareil américain surdimensionné, il est monstrueux, qui est le Focke-Wulf 190. Alors c'est un avion de guerre taillé à la serpe par les Allemands, qui était un bijou technologique pour l'époque. Eh bien, le Focke-Wulf 190, il était équipé d'un moteur fabriqué par un constructeur bavarois qui s'appelle BMW. Et tout autour de ce moteur, il existait tout un système de capteurs électromécaniques qu'on pouvait appeler même un ordinateur, qui portait le nom de commando Gerhardt. Et ce commando Gerhardt permettait au pilote de se concentrer purement sur son pilotage et sa cible, puisque tous les paramètres moteurs étaient gérés par cet ordinateur électromécanique. Alors que les autres avions, eux, étaient obligés de gérer et l'incidence du pas et la puissance du moteur qui remonte. On appelle ça des winglets. Les molécules d'air qui se déplacent sur les ailes vont créer un vide au-dessus de l'aile et vont créer cette sustentation. En fait, une aile, elle n'est pas portée, ou elle est portée mais qu'à 30%, elle est aspirée à 70%. Autrement dit, c'est une aspiration qui permet aux avions de rester en vol. Et comme vous et moi, les molécules d'air sont feignantes. Dès lors qu'elles trouvent un échappatoire, eh bien, elles vont quitter l'aile, et pour les empêcher de quitter l'aile, il y a un ingénieur, il y a maintenant une vingtaine d'années, qui a imaginé ces petites ailes en boudelle, et qui maintiennent les molécules et qui donnent une meilleure sustentation. Mesdames, Messieurs, le Viper au décollage. Cet appareil de turbulence, le vent qui vient et on le voit grâce à cette conche à air qui est rouge et blanche et qui nous donne la direction d'où vient le vent. Les rotatings, ce sont les lampes rouges qui sont au-dessus et en-dessous et qui indiquent dès lors qu'elles sont en route sur un vrai avion, même sur ces modèles réduits. Poussez-vous, ne vous approchez pas de l'avion, nous allons mettre en route le moteur ou les moteurs sont en route, sont en fonctionnement. Et puis de chaque coup d'aile, il y a les feux de position, le rouge est à gauche, le vert est à droite, et puis devant un phare d'atterrissage, parce que lorsque les rampes d'approche s'éteignent. Et Philippe Rabasté, il est aux commandes de ce Viper, cet avion qu'il a acheté en kit et dans lequel il a passé des heures et des centaines d'heures à remettre l'électronique, le moteur, et c'est pas n'importe quel moteur, c'est un vrai réacteur qui fonctionne au kérosène comme les vrais avions. Une sortie de réacteur à l'arrière, deux entrées d'air, une de chaque côté. Lorsqu'on est dans un avion et qu'on pilote cet avion, on est dans le sens de la marche. Lorsqu'on est en modèle réduit, on est au sol et on est dans le sens ou dans le sens inverse à la marche pour le piloter. Et lorsque l'avion est sur le dos, les
commandes sont inversées par rapport au moment où on se trouve à l'arrière. Enfin bref, ça devient une gymnastique intellectuelle, cérébrale, et ça demande énormément d'habitude pour pouvoir piloter un avion et le poser avec cette maestria. Alors là, on peut applaudir cette attaque. Et pendant que le réacteur revient au parking, deux autres avions s'avancent vers la zone de décollage. Il y en a un, il est jaune avec des bandes rouges et des étoiles américaines. Il est biplan. Et l'autre, il est monoplan, c'est-à-dire avec une aile qui est basse, blanc, rouge, deux avions différents et pourtant qui vont voler ensemble. Et ces avions, ils ont été fabriqués par deux constructeurs américains. L'avion blanc, il est d'une firme qui a déjà construit un appareil qu'on a vu en vol tout à l'heure, qui est la firme Piper. Il s'agit d'un Piper Brave. Le deuxième appareil, le biplan plus ancien, il s'agit d'un Boeing, comme ceux qu'on retrouve pour voyager tout autour de la planète. Il s'agit du Stearman, et le Stearman, il a une véritable histoire. On est dans les années 30, on évolue et les besoins en formation de pilote se fait sentir. Il y a un homme qui s'appelle Stearman qui va créer un appareil de début, biplan. Il n'aura pas les moyens de l'industrialiser tel que le demande le marché américain. Et il va s'associer avec un autre homme qui s'appelle Boeing pour fabriquer cet appareil. Il sera construit en milliers d'exemplaires tout au long de la Seconde Guerre mondiale. Et s'il y a cette excroissance, c'est pour lui permettre de mieux voir à droite et à gauche. À quoi va servir cet avion monoplace? Eh bien, il va servir pour l'épandage sur les cultures. Aujourd'hui, on est dans l'écologie et c'est très bien. Et cette écologie va nous emmener du gaz ou qui va nous emmener du pétrole. Ce sont également des surveillances pour la forêt, pour les forêts lorsqu'il y a des feux. Et puis, ce sont des avions auxquels on a aujourd'hui mis un réservoir supplémentaire en dessous. Et là, on largue de l'eau ben, pour éteindre les incendies. Autrement dit, un avion qui est un avion, un outil de travail. Et puis on remorque également des planeurs. Il y a des aéroclubs qui possèdent ces types d'avions, notamment au Canada, beaucoup au Canada. Le Stearman, le biplan. Dans l'avion jaune, on se trouve à la tête à air libre. L'instructeur est à l'arrière, l'élève est à l'avant. On prend cet avion école en mettant un train d'atterrissage extrêmement puissant, très gros, avec des ronds gigantesques qui permettaient d'avoir un amortissage à l'atterrissage parce que bien souvent, eh bien, l'atterrissage était un peu brutaux. Lorsque on est élève dans cet avion, on ne voit pas grand-chose. Il y a une aile au-dessus, une aile en dessous. Il y a un capot moteur qui est énorme devant. Autrement dit, la visualisation elle se fait plutôt de manière latérale, c'est-à-dire de droite ou de gauche, et il faut envisager l'atterrissage. De cet avion, les pilotes ces avions pour des avions avec une seule aile, des avions qui auront la particularité d'être difficiles aussi à piloter parce que très rapidement ils se retrouveront aux commandes d'avions qui seront, comme le disait Nicolas, des warbirds, c'est-à-dire des oiseaux de guerre, et qui eux seront à des puissances démentielles. On a raté l'atterrissage, on remet les gaz, c'est cela, c'est comme à l'école, c'est exactement ce qui se passe lorsqu'on forme un élève. Le vent est de travers, le vent vient de la droite de l'avion et a une tendance à pousser l'arrière de l'avion, la partie verticale, et donc de faire comme une main invisible, d'empêcher l'avion de continuer de rester en ligne droite. Un atterrissage parfaitement réussi. Sébastien Aymon, il vient de poser son avion tout en finesse après avoir fait une release de gaz. On peut l'applaudir également.
Et je m'approche du pilote de cet avion dont on peut apercevoir, il va se rapprocher de nous, on va bien le voir. Vous avez quel âge? C'est toi qui pilotais? Tu as quelle sensation aujourd'hui avec ce vent? Bon, ça va, ça me plaît. L'habitude? Cet avion, c'est un kit de Tion. Ça veut dire que vous l'achetez, il est déjà quasiment, on va dire, structurellement construit, mais après, il y a tout à faire. Combien d'heures de travail? À peu près, hein, on ne compte pas, parce que quand on est passionné, on ne regarde même plus les heures, mais ça demande quoi? Pour moi, faire votre travail? Donc, on s'échange, comme on disait tout à l'heure, on s'achète, on se revend des... Voilà. Et Sébastien Gogaï, eh bien merci, vous allez vous rapprocher donc du public, il va mieux voir. Et puis vous allez pouvoir échanger les uns et les autres. Et n'hésitez pas à les interpeller, ils sont contents de transmettre et discuter avec vous. A tout à l'heure, parce qu'il va revoler cette avion. Deux avions à réaction que vous connaissez maintenant de mieux en mieux. Les rafales. Les deux pilotes pour Briançon. On va le voir tout au long de la journée. Il y a le père, le fils, il y a la fille, la mère, etc. Toute la famille est dedans. Et on va s'apercevoir que la fratrie, elle est souvent réunie autour de la technologie. Deux rafales avec deux moteurs chacun, ça veut dire quatre réacteurs, et quatre réacteurs qui donnent des puissances démentielles et également à l'hypoïde en modèle réduit. Surtout aussi bien tenu, surtout aussi bien arrive en disant je vais changer la carte électronique de telle chose parce que ton moteur n'arrive pas. Le pilote 2 ça n'est pas. Stéphane, Pascal, Briançon, bravo, on les applaudit pour ce vol en patrouille exceptionnel. Actuel, il est ici à Dinan. Et on croise deux rafales qui, moteur tournant, sont en train de rouler pour rentrer au parking, pendant que deux autres réacteurs, monoréacteurs, de taille énorme, sont en train de s'aligner. Ce sont des L-39, des Albatros. Ce sont des appareils de conception soviétique. C'est le jet le plus construit au monde. Alors il est le plus construit au monde parce que c'est un avion monoréacteur, il est simple d'entretien, il permet de transporter des passagers. Et si reste, si vous allez à La Roche-sur-Yon, il y a un avion comme cela qui peut vous emmener pour faire du vol. Et vous aurez l'installation dans le siège éjectable à l'arrière, vous aurez le pilote à l'avant et vous aurez la capacité de voler à près de 700 km/h avec ce type d'avion. Les deux avions, regardez, dans une chorégraphie parfaite, s'alignent l'un derrière l'autre, pivotent l'un derrière l'autre. Le numéro sur la couverture de direction, numéro 2, numéro 3, ils se mettent côte à côte, et comme les vrais, eh bien, ils ont mis les rotatives, les phares sont allumés, les pilotes sont prêts au décollage, il y a un dialogue entre les deux. C'est parti! De ces deux appareils, de ces deux L39, donc on a deux pilotes expérimentés. On a Christophe Baudrillard qui est un modéliste averti, et on a Yvel Jeannin. Et les deux s'entraînent très régulièrement pour pouvoir nous proposer cette superbe chorégraphie. Le mieux peut-être, c'est que nous vous laissions apprécier dans le câble et pouvoir enregistrer également le bruit de ces moteurs. Une chorégraphie à deux. Thank you.
I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate, every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help, I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is typical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help, I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. Les transits entre deux terrains d'aviation avant de faire une démonstration. Ça s'appelle une percussion. C'est une manœuvre qui est déjà compliquée en aviation grandeur. Alors imaginez, on est à l'extérieur de l'avion, on est côte à côte en train de piloter et on exécute cette manœuvre. Ça nécessite une confiance énorme l'un envers l'autre. Et à l'atterrissage, les phares sont allumés. En patrouille toujours, Christophe et Michael qui se posent. On peut les applaudir. Ah oui, on peut les applaudir très très fort. Le turbopropulseur, c'est une turbine qui entraîne une hélice. Au lieu d'avoir le flux de gaz qui va être rejeté à l'arrière et qui va servir d'action pour que par réaction le réacteur soit jeté vers l'avant, et bien là ce va être le réacteur qui va entraîner une turbine, et cette turbine va être reliée à une hélice. Il y en a 6 hélices, 6 pales d'hélice. Et là on a un avion qui est un avion futuriste, puisque c'est un avion qui est utilisé par l'armée de l'air et de l'espace. Et il sert à quoi? Il sert à entraîner les pilotes. C'est un appareil qui est suisse, qui est fabriqué par une firme qui s'appelle Pilatus. C'est le PC-21.
Il fait partie d'un programme qui a permis à l'armée de l'air et de l'espace de simplifier le cursus vers l'avion de chasse. Ainsi, aujourd'hui, les pilotes débutent leur formation sur PC-21 et peuvent ensuite passer directement sur le Rafale. Sol, on va simuler un vol et puis on va inventer des pannes. C'est comme ça qu'on instruit les pilotes et c'est comme ça qu'on voit leur capacité à la réaction et c'est comme ça également qu'eux accumulent des expériences sans jamais risquer quoi que ce soit. Et bien dans cet avion, c'est un simulateur de vol en vol. Pourquoi ? Parce qu'à l'arrière, l'instructeur, il peut inventer des pannes qui n'existent pas. Et pour que l'élève sache comment y faire face. Il peut inventer également la présence d'un ou plusieurs ennemis au sol ou en vol. Et c'est à l'élève pilote de chasse d'avoir à agir et à réagir qu'un avion de chasse à réaction. Les ailes sont courtes. L'avion est peu porteur, il est donc à l'équivalent d'un avion de chasse, et un avion de chasse, on le sait tous, il est fait pour aller. Un atterrissage séquencé, comme à l'identique. On est sur une base comme à Cognac, par exemple, et bien là, on va venir se poser l'un après l'autre. Cognac étant l'endroit où les pilotes qui s'entraînent, ils vont être sélectionnés également, car on sélectionne les pilotes, on les met dans des situations un peu inconfortables. Et ces situations inconfortables, on va la tester pour voir si dans la réalité, ils sont capables de faire face. On peut donc être reçu à l'entrée de l'armée de l'air et de l'espace, ou reçu dans la marine nationale comme pilote de chasse, futur pilote de chasse. Eh bien, le cursus ne s'arrêtera qu'à partir du moment où vous serez réellement pilote de chasse. Ça veut dire que pendant des années, vous devrez travailler, vous remettre en question tous les jours. Et lorsque vous avez des gens qui vous disent être en formation à Cognac sur ces avions, eh bien, ce n'est que le début des ennuis, que le début des complications. On verra également que les pilotes sur Rafale, quand ils sont posés sur le Charles de Gaulle, eh bien, ils ne sont toujours pas qualifiés. Et dès lors qu'ils seront qualifiés, à ce moment-là, ils seront opérationnels. Et puis, lorsqu'ils seront opérationnels, eh bien, tout au long de leur carrière, on les remettra en cause. Chaque atterrissage sera jugé par un groupe qu'on appelle des officiers d'appontage et qui permettront de corriger le pilote à chaque instant. C'est donc un métier d'exigence. Il est ouvert à toutes et à tous. Il suffit simplement d'avoir un bac. N'importe lequel, un bac littéraire, un bac mathématique, ce que vous voulez. Vous passez le concours d'entrée de l'armée de l'air et de l'espace ou de la marine nationale et également de l'armée de terre qui recrute les pilotes directement, soit pilote hélicoptère, soit pilote avion. Et cela, c'est sur concours. Il suffit simplement d'aller dans les centres d'information des militaires. Ces avions sont donc aux couleurs de l'armée de l'air et de l'espace. Ils sont à l'identique. Félicitations aux deux pilotes pour ces démonstrations, mais également pour la construction qui est merveilleuse. On peut applaudir en effet Jean-Michel Bédard et Didier Bouletex pour cette performance. Et les avions se rapprochent. Maintenant que vous les avez vus en l'air, vous allez mieux les apercevoir au sol et vous rendre compte de la méticulosité avec laquelle ils ont été décorés, construits et on l'a vu piloter. Tout simplement parce que MBB, c'est Messerschmitt Volko Blohm. Alors l'histoire de cette firme est un petit peu particulière. Il y avait un homme pendant la Seconde Guerre mondiale qui a été appelé à construire des appareils, des avions de chasse, le Messerschmitt 109 par exemple, ou des avions de transport. Cet homme, après la guerre, s'est associé à deux autres firmes qui étaient Volko et Blohm pour finalement créer des hélicoptères et notamment le BO-105 qui est très particulier. Alors on a vu un hélicoptère ce matin voler, l'hélicoptère américain. Là maintenant on est dans un hélicoptère de conception allemande. Et pourquoi il est capable de faire de la voltige aérienne?
pourquoi ce matin on ne pouvait pas faire de voltige aérienne avec le R22 alors qu'avec cet hélicoptère on peut tourner le tonneau et le looping. Et en vrai en plus, on peut tout à fait faire de la voltige avec cet appareil. C'est le, d'ailleurs le premier qui a été capable de faire un looping. Pourquoi ? Tout simplement parce que la conception du rotor est très spécifique. Pour faire voler un hélicoptère, c'est tout un tas de mécaniques, d'embiellage, d'engrenage. Eh bien, on a décidé sur le Bolko de simplifier et de rigidifier tout ça pour pouvoir faire ensuite quelque chose qui soit capable de voltiger comme un avion. Autrement dit, je reprends, on a des ailes qui tournent au-dessus de l'hélicoptère. Sur les anciens hélicoptères, dès lors que le pilote tirait sur le manche, les pales d'hélicoptère, elles descendaient. Et en descendant, elles coupaient l'arrière de l'hélicoptère. Et elles étaient très fragiles. Là maintenant, on a un ensemble qui est rigide. Et on a une aile, une vraie aile, vraiment rigide. Et on s'aperçoit au fur et à mesure du temps que les pales d'hélicoptère sont en train de changer de forme. Dans le bout notamment, on a l'impression d'avoir des énormes palettes en bout et on se rend compte que le rendement est nettement meilleur et qu'ils peuvent aller de plus en plus vite. L'hélicoptère est limité en vitesse. Red Bull, c'est une société que vous connaissez tous et qui a financé nombre d'avions dans les courses, mais également cet hélicoptère qui est aujourd'hui dans les meetings aériens et dans lequel le pilote, lorsqu'il a fait sa voltige aérienne, quand il se pose et qu'on lui dit « alors, c'était bien ?» Il dit comme d'habitude, j'ai eu peur. L'un des pilotes de l'écurie Red Bull qui pilote le MBB BO 105 en meeting, il est connu du monde entier parce que il est détenteur d'un record. L'homme à la chute libre la plus rapide au monde. Il s'agit de Félix Baumgartner. En perdition dans leur machine. Tout cela, on peut le retrouver sur les YouTube. Il y a tellement de films, tellement d'interviews. Allez vous intéresser à Bob Carter et donc cet homme qui est l'un des pilotes de cet hélicoptère. On remercie Pascal Briançon pour sa démonstration avec le BO 105 et on voit maintenant un vol totalement silencieux se préparer. À l'origine, il existait le planeur. Et c'est même l'aviation qui a commencé par le planeur. D'abord parce qu'il n'y avait pas de moteur, on ne savait pas comment faire. Et il y a un gars qui s'appelle Otto Lilienthal, un Allemand, qui a conçu des ailes et il se jetait d'une falaise. Il a réussi plus de 1000 sauts à en planer. Il se posait en bas de la falaise. Et ça a été les premiers vols dans des barrages de la Rance. Eh bien, ils utilisent ce vent qui ricoche contre l'édifice. Et le ricochet est de l'ordre de un tiers de la hauteur du bâtiment. Ce qui fait que quand on a une montagne de 1000 mètres, eh bien on a 300 mètres au-dessus pour pouvoir monter au maximum. Et ces molécules d'air vont bousculer d'autres molécules qui sont beaucoup plus hautes et qui vont faire que les ondes, puisque c'est une transmission d'ondes comme on reçoit la radio, comme on reçoit la télévision, eh bien ces ondes vont être également porteuses pour les planeurs et le record du monde de hauteur aujourd'hui est de 18 000 mètres et Airbus est en train de fabriquer un planeur pour essayer de monter à plus de 24 000 mètres d'altitude. L'autre mode de mise en l'air d'un planeur, eh bien, c'est le remorqueur. Alors c'est ce qu'on peut voir, c'est cet appareil avec une double dérive à l'arrière qui va tracter le planeur jusqu'à une altitude de largage. Dans la réalité, c'est réellement un avion également et qui va avec une corde de 60 mètres de long tirer un planeur. Et c'est ce planeur qui, lui, lorsqu'il aura décidé qu'il est suffisamment haut et au bon endroit, eh bien, va tirer sur une poignée, le pilote va tirer sur une poignée, il va ouvrir un crochet, il va se détacher et le remorqueur, avec sa corde, va revenir à l'atterrissage. On est dans le chuintement de l'air à l'intérieur de ce poste de pilotage. Il n'y a plus de bruit. Lorsqu'il y a remise de gaz, ce sera un moteur électrique. Et vous regardez, il y a un hangar qui est derrière. Et bien dans les hangars derrière, il y a une famille qui possède un planeur avec un moteur électrique. Et ils volent ici sur ce terrain très régulièrement. Et les ailes vont ployer. Pas elles vont ployer. Exactement comme un Airbus, lorsqu'il passe dans les turbulences, le bout des ailes va ployer et on sait que le roseau ne casse pas. On sait que le chêne, par contre, il se déracine. Donc tout ce qui est souple est résistant.
une souplesse qui fait que parfois même les ailes, on a l'impression qu'elles se joignent l'une à l'autre, tellement elles vont être courbées. Les Françaises ont terminé premier, comme ils l'ont fait pour la voltige avion, que ce soit homme ou que ce soit femme. Et puis, il y a les championnats du monde également de planeurs. La distance parcourue la plus rapidement possible, c'était aux États-Unis. Et on salue la famille de Béchy, qui a terminé première. L'atterrissage, c'est un moment où on va utiliser des aérofreins. Sur les ailes, on va sortir des panneaux qui vont ralentir l'engin et qui vont l'amener à la bonne direction. Les champs, quand vous roulez en voiture, les vaches sont toutes dans le même sens, toutes. Là aujourd'hui par exemple, eh bien, elles seraient face au vent. Alors on a cette manche à air qui est rouge et blanche. Eh bien on aurait le nez des vaches qui regardent le bois qui est devant nous. Le planeur lui va se poser face au vent. Parce que si le vent vient vers lui, il va être très court. Et donc il va utiliser cette direction et se poser en regardant lui le derrière des vaches. Voilà, tout simplement. Se poser une vache, et on le dit du reste en termes de planeur, aujourd'hui ben, je fais une vache. Ou je me suis vaché. Je me suis vaché, absolument. Et là, on a toujours l'armée de l'air et de l'espace qui est à l'honneur avec un avion aux couleurs de la patrouille de France. Cet avion s'appelle l'Alpha Jet. Et l'Alpha Jet est piloté aujourd'hui par Franck Ridoux et on va vous en parler. À l'instar du vrai, l'Alpha Jet de Franck, il est équipé lui aussi de deux réacteurs qui lui permettent d'offrir plus de 30 kg de poussée, permettant ainsi un vol réaliste proche de l'appareil réel dans les conditions dans lesquelles il est utilisé par la patrouille de France. Sur Facebook, on peut retrouver l'adresse de ce constructeur d'avion parce qu'on peut acheter le kit. En effet, Franck, qui fait voler son appareil, il le fabrique également et il le propose à la vente. Et vous pouvez le retrouver sur Facebook, Franck Ridoux, FR, Aero Design. Alors si vous allez sur Aero Design, vous allez voir, ce sont deux jeunes femmes, elles fabriquent des meubles à partir de pièces d'avion. Là, il faut rajouter devant FR. Voilà, un peu comme France ou France-Philippe. L'avion, si vous le voulez, du reste, tout à l'heure, vous pourrez aller le voir, il se trouve derrière les petites cabanes où on peut se restaurer, là. Eh bien, il y a le modèle qui n'est pas fini, bien évidemment, puisqu'il est à l'avant. Là, on va voir qu'il y a l'emplacement du réacteur avec des réacteurs, car c'est un réacteur. Et vous pourrez observer de plus près cet appareil et vous apercevrez à quel point il est bien construit et les détails sont absolument hallucinants. On retrouve dans la masse les rivets comme sur le vrai. Le même nombre de rivets et en plus à la dimension exacte de l'échelle. Exactement. Alors l'Alpha Jet, couleur bleu, blanc, rouge, eh bien, c'est l'Alpha Jet de la patrouille de France. La patrouille de France, elle évolue d'habitude à 8 avions. Aujourd'hui, on en a un. Alors on pourrait dire que c'est un petit peu le leader solo qui fait sa démonstration. La patrouille de France, c'est une institution. C'est la définition même de l'esprit de corps de l'armée. Pour vous donner un exemple, à la patrouille de France, les pilotes arrivent le matin et restent dans leur voiture jusqu'à ce que le leader arrive lui aussi. Une fois que le leader arrive, tout le monde sort de sa voiture en même temps pour aller prendre son café avant les entraînements. La patrouille de France, c'est 2 vols par jour d'entraînement. C'est 60 représentations en meeting par an et c'est l'excellence du pilotage à la française. Et du reste, cet avion de Franck Ridoux, il est immatriculé numéro 5. D'abord parce que c'est le 5e avion qu'il a fabriqué, le 5e type d'avion, pas que cet avion-là. Et puis c'est également le numéro 5 du leader de la patrouille de France, du leader solo.
Le leader solo, c'est celui qui tout seul va faire une démonstration en dehors de la patrouille et qui va ensuite réintégrer cette patrouille pour terminer à neuf dans cet éclaté qui à chaque fois nous sublime de cette démonstration. Le train d'atterrissage vient de sortir. Les phares sont allumés. Il bat des ailes pour dire la démonstration est terminée, je reviens me poser. Oui, parce que lorsque nous, on agite nos mouchoirs pour dire bonjour à celui qui passe au-dessus de nous, eh bien, lui, il va battre des ailes pour nous dire je t'ai vu et je te salue. C'est pour nous dire en démonstration aérienne, j'ai terminé ma démonstration, je viens me poser. Et puis lorsqu'on est au-dessus de l'eau dans un radeau, parce qu'on est un naufragé, eh bien lorsque l'avion a battu des ailes, c'est pour dire « ça y est, je vous ai vu, je vous envoie du secours ». L'atterrissage, le moment le plus délicat pour des machines qui valent une petite fortune. Concentrez technologie aux mains d'experts. Regardez cet atterrissage tout en douceur. Et l'avion freine comme sur le vrai. Il pose de frein pour pouvoir s'arrêter plus rapidement. Et on peut applaudir Franck Bidou. Bravo! À tout un chacun de bénéficier de ce spectacle aérien. Un spectacle aérien qui continue avec un avion de petite taille qui va aller au décollage pendant que l'Alpha Jet rentre. Et oui, maintenant place aux jeunes. Alors l'aéromodélisme, c'est des belles maquettes comme celles que l'on voit, des maquettes magnifiques, mais l'aéromodélisme, c'est aussi des avions de début. Et on en a un qui décolle, c'est le Kalmato Sport. C'est l'avion type de début en aéromodélisme. Alors tout à l'heure, on a vu le papa. Il était aux commandes, il s'appelle Monsieur Leblon. Eh bien, on a Lucas, c'est le plus jeune des pilotes ici présents. Il a 11 ans, il a commencé, il avait 7 ans et ça fait maintenant quelques années qu'on le voit évoluer. Lucas, c'est un brillant petit jeune homme, pétillant, amoureux de l'aviation et qui bien sûr essaye toujours d'être le meilleur. La passion, c'est avoir un objectif, donner du temps parce que là, aujourd'hui, il est heureux de faire cette présentation en vol. Et tout le reste du temps, eh bien, il bichonne son avion, il le fabrique, il le répare, il l'arrange, il le modifie, il l'améliore. Bravo Lucas. Il est accompagné d'un autre Lucas, qui s'appelle Lucas Houbar, il vient de Brest. Et Lucas Houbar, il a 17 ans, il a commencé le modèle réduit il y a 3 ans, il s'est plongé dedans à corps perdu. Et Lucas Leblon qui part son avion et qui le ramène. Et pendant ce temps-là, maman elle s'occupe des deux autres garçons qui eux ne rêvent que d'une chose, c'est aussi de faire des démonstrations en meeting parce qu'ils ont 4 et 6 ans et eux aussi bien sûr pilotent, comme papa, comme tout le monde. Et là maintenant, nous allons entendre et regarder un avion un peu particulier puisqu'il est unique au monde dans sa taille. Il s'agit de l'Airbus A380 qui a été un avion en révolution technologique, non pas par rapport à ce que l'on voit à l'extérieur, mais par rapport à tout ce qui a été intégré. Les constructeurs de chez Airbus, lorsqu'ils ont décidé de construire cet avion, avaient pensé de fabriquer avec deux avions collés l'un au-dessus de l'autre qui lui redonnaient une configuration en 8. C'est-à-dire que vu de face, on aurait eu l'impression d'avoir des 8. Finalement, ils ont opté pour une cellule qui a été une cellule d'un seul tenant. À l'intérieur, il y a deux plans, il y a deux ponts, donc un pont inférieur et un pont supérieur. Et cet avion a été conçu pour pouvoir transporter 1000 passagers. Le fuselage court de cet Airbus a limité à 700 passagers.
Et pour du confort, pour que les gens puissent avoir de l'espace pour mettre leurs jambes, eh bien, les transporteurs l'ont limité à 550 passagers. Les ailes avaient été imaginées pour être à 1000 passagers parce qu'on allait rallonger le fuselage. Quand vous achetez un avion au Salon du Bourget, on vous en demande combien vous en voulez, un peu comme une saucisse. On va vous le vendre au mètre. Alors vous achetez un Airbus à 319, à 318, à 320, à 321, à 330, à 340, à 350. Vous achetez un avion qui est de plus en plus long, mais le poste de pilotage reste exactement le même. Ça veut dire que les pilotes ont une qualification pour l'utilisation de toute une flotte. Et quand on est transporteur, eh bien on a besoin d'avions à gros porteurs pour pouvoir transporter beaucoup de passagers les uns derrière les autres, parce qu'en l'air, il y a des voies aériennes. Et les routes aériennes, eh bien, c'est comme sur la route. Il y a un moment donné, il y a des bouchons. Alors, on ne peut pas multiplier le nombre d'avions à s'aligner les uns derrière les autres. On va donc augmenter le volume de passagers à transporter. L'Airbus A380 aujourd'hui va être retiré du service de manière assez régulière. On voit Air France acquitter ses avions. Pourquoi ? Parce que les moteurs étaient gourmands et l'aviation est vertueuse, écologique. Non pas parce que ce sont que des écologistes, mais c'est parce que le mercantilisme prime. Un avion doit coûter peu, un avion doit être rentable. Mesdames, Messieurs, décollage, Airbus A380. Aérien ne peut pas avoir lieu s'il n'y a pas des bénévoles et s'il n'y a pas également des sponsors. On a deux personnes ici présentes sur le terrain et on les salue. Il s'agit des entreprises Maugendre et Terrasel Clos qui ont permis à leur manière la tenue de ce superbe meeting d'aéromodélisme. Rodriguez, c'est lui qui a racheté cet avion à un Allemand, cet Allemand qui a construit cet avion. À la verticale, eh bien, c'est une montagne que l'on a devant soi. Cette lumière rouge, je le rappelle, c'est pour dire l'avion a des moteurs. Qui continue ses évolutions, des vitesses de l'ordre de 400 km/h, une dextérité, on voit la netteté et la propreté du vol, aux commandes desquelles il y a un pilote. Qui on le devine, à quelques heures de vol derrière lui, quelque expérience. Oui, il faut de l'expérience, mais elle s'acquiert au contact des uns et des autres. Si vous voyez deux pilotes,
en lui-même grâce à un crochet qui va prendre l'un des trois brins. Pour les podiums, champion de France de cette discipline, mesdames, messieurs, Yannis Levé aux commandes de cet avion. On peut l'applaudir très fort. Et regardez, on est monté très haut, c'est pas pour rien, ça va redescendre d'une certaine manière. Et c'est parti. Chaque figure totalement maîtrisée. L'atterrissage, toujours le moment le plus délicat pour un avion, d'autant pour des avions comme ceci. Au train d'atterrissage étroit. Et de petites étincelles très brillantes et très fortes en chaleur, qui vont permettre à des missiles d'être leurrés. On appelle ça en français des leurres aussi. Plutôt que de chercher les missiles avec leur tête, plutôt que de chercher le réacteur, ils vont s'orienter vers le flair. Et c'est ce qu'ils vont chercher, la partie la plus chaude qui va arriver devant eux. Et donc, ces petites fusées qui sont envoyées à l'arrière, la température dépasse les 1500 degrés. Absolument, elle dépasse les 1500 degrés et elle permet de tromper les missiles. Et comme ça, l'avion reste intact. Vous allez voir un premier passage de flair, et puis le deuxième sera beaucoup plus conséquent, préparer les appareils photo. 100 mètres à gauche, au-dessus ou en dessous.
Alors évidemment, des flares, on n'en transporte pas une cargaison. Et donc, on va les utiliser une ou deux fois et après c'est terminé. Il va falloir vraiment s'enfuir. Mesdames et messieurs, au décollage, les Air Maki MB339 des Frecce Tricolori. Un décollage en simultané, exactement comme les vrais. Il y a intérêt à garder la bonne trajectoire et à ne pas partir ni à droite ni à gauche pour ne pas se heurter. En réel, c'est déjà compliqué. En modèle réduit, alors là, chapeau, messieurs, chapeau. Et aux commandes, on retrouve Christophe Baudrillard. On l'a vu tout à l'heure aux commandes d'un L39 avec Franck Corbet. Et Franck Corbet, vous savez, c'est celui qui pilotait l'Airbus A380. Observez, admirez, régalez-vous. Tout à l'heure, on a vu l'Alpha Jet de la Patrouille de France, on a vu le Hawk des Red Arrows. Ici, on a une autre patrouille nationale, c'est les Frecce Tricolori. Et les Frecce Tricolori, c'est la patrouille. Italiano bello, italiano en vol. Eh bien, quand on regarde les Italiens qui volent avec les Frecce Tricolori, eh bien, c'est un spectacle. Ils sont pratiquement une dizaine et ils se croisent en vol les uns les autres et tout ça en patrouille. Ils se sont un peu calmés depuis quelques années parce qu'ils se mettaient en danger, ils mettaient aussi en danger le public, et comme le mot sécurité est primordial dans ce monde de l'aviation, eh bien ils sont redevenus des gens à peu près raisonnables, même si effectivement ils écoulaient leur envol et qu'ils ont également ces démonstrations qui sont époustouflantes. Rappelons que chaque patrouille représente le drapeau de son pays, les Français l'élégance, les Italiens c'est, eh bien oui, c'est la fête. La fête en l'air. Avions qui sont en patrouille alors que les pilotes sont au sol. C'est la complexité de pouvoir se réunir et de visualiser les distances des uns aux autres. Ça nous paraît simple. En vol normal, les deux. Et toujours en gardant l'axe de la piste qui est un point de référence, les pilotes maîtrisent parfaitement leur trajectoire. Et là, je pense que les caméras vont pouvoir s'allumer.
Et voilà, un flair, deux flairs. L'avion va revenir et il va là larguer plusieurs flairs en même temps. Allô, caméra. Mon Dieu que c'est joli. Comment ils arrivent à larguer ça? J'entends derrière moi. Des allumeurs électriques qui sont séquencés à la milliseconde et qui sont déclenchés. Et on vient de faire un looping inversé. On passe sur le dos. On salue le public. Une ressource et une montée en tonneau. Et un dernier passage, fumigène allumé, Christophe bat des ailes. Le train est sorti, l'avion est en vente arrière. En vente arrière, c'est parallèle à la piste. Il se positionne maintenant en étape de base, puis en finale. Ce sont les trois branches d'un circuit pour venir se poser. La finale, c'est la dernière branche. Et c'est la phase où on est avec le vent de face pour poser l'avion de la manière la plus propre possible. Et on peut les applaudir, Franck et Christophe.
Lorsque vous regardez sur les pilotes, ses pantalons avec ses poches qui se gonflent pour empêcher le sang de se déplacer soit vers le bas, soit vers le haut du corps pour que le pilote puisse garder connaissance. Autrement dit, ne faites pas attention dans le corps, on va tirer sur le manche et donc va tomber vers les pieds. Si on pousse sur le manche, il va monter vers la tête. Et la seule chose qui n'est pas retenue dans le corps, c'est le sang. Le sang, on va le ventre pour que le sang soit conservé au maximum dans le cerveau, parce que le cerveau c'est l'ordinateur humain, et si le cerveau est effondré, eh bien il y a perte de connaissance au moment de la vie, c'est dommage. Et puis on peut avoir une telle perte de connaissance qu'on a une perte de vision d'abord. Le sang qui tend le cerveau, notre vision va se rétrécir jusqu'au moment où on va avoir un noir. En revanche, si on pousse sur le manche et qu'on a tout le sang qui va être envoyé vers le cerveau, eh bien ce va être les yeux qui vont être un à la main. Oui, c'est un peu d'arrivée d'être dans un endroit de sang, c'est d'être connaître les événements qui peuvent vous entraîner dans des violences terribles, notamment dans des virages comme celui-ci, pour les pilotes très de 20 mètres. Avec cet avion qui n'a plus de réacteur. Voilà, on reste vertical la mise dans toutes les démonstrations et on voit que la maîtrise est totale. Alors là, on peut l'applaudir parce que là, on est un réel. Parce qu'il y a un pilote en tête qui s'est posé la question dans l'avion. En doute, il y avait une mitrailleuse qui avait perforé ses ailes et qui avait fait déchiqueter les ailes au-dessus. Et le pilote s'est rendu compte que l'avion venait beaucoup plus tard avec ses déchiquements au-dessus des ailes que lorsque les ailes étaient plates. Thank you.
Une chorégraphie réalisée sur une musique et en harmonie avec cette musique. L'atterrissage, toujours le moment délicat. Un avion tricycle, beaucoup plus facile à contrôler au sol que les avions, avec une roulette de queue à l'arrière. Et on applaudit Michael Guen, qui a contrôlé son atterrissage. En effet, le Diamond, on va le voir tout à l'heure, c'est un avion qui vole très très vite, jusqu'à 600 km/h. Le Diamond, c'est un appareil donc conçu par Aviation Design et par son créateur qui s'appelle Eric Ranté. Eric Ranté, il est tombé dans la marmite tout petit. Il est le fils de Jacques. Et Jacques, c'est un ancien pilote de l'armée. Il a été formé sur un appareil mythique qui s'appelle le Dassault Flamand. Avant d'embrasser une carrière civile comme pilote de ligne et puis ensuite responsable de flotte dans une compagnie aérienne, il a également été, et il est toujours, pilote de planeur, et on peut vous dire que c'est un extraterrestre. Et donc, Eric a suivi un petit peu les traces de son père dans un autre domaine qui le passionnait, qui était l'aéromodélisme. Eric a construit, a fabriqué, a créé Aviation Design. Il a proposé à la vente des kits d'Alpha Jet, de Mirage, de Fuga, de Rafale, et puis un jour il a dit « je vais créer mon propre avion ». On est à la fin des années 2000 et il imagine ce design futuriste, il en dessine les plans, il n'est pas très sûr de lui, et aujourd'hui le Diamond de solution, regardez la caractéristique de vol de cet appareil. Plus de 600 km/h. Avions qui repoussent. Et grâce à eux, eh bien, on a un meeting aérien de modèle réduit au cours duquel il y a un directeur des vols. Il s'appelle Marc Vasselin. Il est dentiste, voyez. Ça amène à tout. Il est dentiste. Et les avions tous plus intéressants les uns que les autres. C'est un mélange pour une unité autour de ça. Si vous êtes intéressé par l'aéromodélisme, on vous encourage grandement à aller pousser les portes d'un aéroclub. Vous en avez 650 en France. Vous avez 20 000 licenciés qui sont prêts à vous aider, à vous renseigner, à vous apprendre aussi à construire et piloter et vous perfectionner. Et il y en a un ici. Il y en a un, c'est l'aéromodèle club de la Côte d'Émeraude. Vous pouvez aller les rencontrer. À l'atterrissage, Diamond. Il était à 600 km/h, là il est à 90 km/h et il se pose tout en douceur. Et pendant ce temps, l'homologue l'accompagne venir se mettre avec le vent en arrière, ce qu'on appelle la vente arrière, et puis ensuite parallèle à la piste, perpendiculaire pendant à la piste, et ensuite l'atterrissage face au vent. Des avions, l'Airbus A380, c'est combien? 110 kilos. Des avions comme le Diamond qui vient de se peser 3 ou 4 kilos. Autrement dit, on n'a pas la même défense, mais on a la même capacité de faire de belles arabesques. Au roulage, par contre, là, on voit apparaître deux appareils de voltige qu'on appelle des appareils de VGM. VGM pour Voltige Grand Modèle. C'est le père et le fils, c'est Patrice et Yanis Levé. Et ils vont nous offrir une démonstration commune de vol acrobatique avec ces semi-maquettes d'un appareil
bien connu du milieu de la voltige aérienne mondiale, puisqu'il s'agit de l'Extra 300. L'Extra 300, c'est un appareil développé par un Allemand qui s'appelle Walter Extra. C'est un appareil qui est multiple fois champion du monde de voltige, et vous allez vite comprendre pourquoi. Eh oui, alors il a donné le nom de plein du monde, et on a un pilote de l'armée de l'air et de l'espace qui est maintenant double champion de voltige aérienne au monde. Et une femme également qui est Aude Le Mordant et qui est devenue pour la troisième fois championne du monde de voltige. Les Français rares de tous les podiums, ça maintenant depuis près de 20 ans. Et si les Français raflent les podiums en voltige, c'est tout simplement parce que l'apprentissage de cette discipline est dispensé de manière très stricte, de manière à pouvoir faire de ces pilotes des véritables champions. Ils ont débuté sur des appareils, on va en voir un tout à l'heure. Il s'agit du Cap-10, et le Cap-10, vous le verrez tout à l'heure, un petit avion qui était biplace, côte à côte, et qui a investi les aéroclubs pour le découverte de l'aviation. Tout ça parce qu'un gars qui s'appelle Auguste Budry avait dit « Eh bien, les Français n'ont pas un avion pour la voltige, moi je vais en fabriquer un. » Et c'est ainsi que c'est devenu les constructions. On va le voir. Un cœur qui est dessiné, mesdames, messieurs, les modèles réduits vous dédient ce cœur. Doucement, 2500, ça c'est le nombre de tours au moteur, vitesse 180, et on part pour un virage à gauche, top, voilà, c'est comme ça se passe en vol, au sol c'est, allez, on engage le virage. Le miroir, il y a un avion qui se mire dans l'autre en dessous, celui de dessous se mire dans celui de dessus. Cette voltige inversée est dans la bonne espace, au bon endroit et à la bonne vitesse. Mais le casse-tête, c'est aussi un challenge. Il y en a moins de challenge. On bat les ailes simultanées pour dire la démonstration est terminée. On va venir se poser. Un petit coup de fumigène. Rayon de soleil qui fait du bien à la peau. Le moment le plus redouté, c'est la rafale de vent qui va vouloir perturber la trajectoire de l'avion. Deux pilotes, le père, le fils, qui s'appelle Bébé. Bravo Patrice! Tout à l'heure, tu parlais du cap. Cap ou pas cap? Là, on a le pilote, il a la main droite dans sa poche et l'autre main, il tient la télécommande blanche. Il a mis une capuche, il fait pas très chaud. Il a un avion qui est léger, un avion qui est en polystyrène. Et pourtant, il ressemble vraiment au vrai. Il a même l'hermine bretonne derrière. Et on va voler dans quelques instants. Juste après qu'un hélicoptère de couleur impériale met en route un moteur électrique.
Absolument. Et cet hélicoptère, il est piloté par quelqu'un que l'on a déjà vu avec un Mirage 3, notamment, puisque c'est de nouveau Olivier Laudelon qui est aux commandes de ce Hughes MD-500. Alors, MD pour McDonnell, qui est le constructeur de cet appareil. Il est surnommé la Libellule. Et on comprend vite pourquoi, grâce à sa verrière étendue qui permet de voir à 360 degrés autour de l'hélicoptère. On le voit souvent dans les films, du reste, dans les feuilletons. On le voit dans les feuilletons, absolument. C'est un hélicoptère polyvalent qui est soit utilisé pour des fins guerrières, soit dans le civil. Il sert à transporter des charges, il sert à transporter de l'armement, on le voit équipé parfois de mitrailleuses. Il peut aussi servir à transporter des blessés, puisque c'est un appareil qui est utilisé par le SAMU. Et puis on le voit également au-dessus des villes, en train de chasser, de poursuivre des fuyards, parce que la police est équipée de ce genre de choses. Absolument, quand on voit les feuilletons américains dans les villes de Los Angeles, eh bien, il s'agit très souvent de ce Hughes MD-500. Alors, le modèle qu'on voit actuellement, il a à l'arrière une petite pale qui tourne et qu'on appelle un rotor d'anticouple. Ce rotor d'anticouple, il sert simplement à maintenir l'hélicoptère droit, parce que s'il n'avait pas ce rotor d'anticouple, le couple du rotor principal le ferait tourner sur lui-même en permanence. Prenons un exemple simple. Et on laisse le couple fonctionner pour faire pivoter l'hélicoptère. L'hélicoptère, c'est l'engin le plus compliqué au monde à maîtriser. Quand on est aux commandes, il ne demande qu'une chose, c'est à basculer dans tous les sens. Et quand vous regardez un pilote d'hélicoptère, il tient son manche avec deux doigts. Parce que s'il le tient avec un pied de main, il ne sent pas son hélico. Et là, il peut se laisser embarquer. Des engins extrêmement véloces, capables d'aller de l'avant vers l'arrière, en stationnaire, monter et descendre. Des hélicoptères qui sont venus avec des moteurs à piston ou à turbine, selon les modèles. Et ce modèle, c'est un hélicoptère à turbine. Donc un petit réacteur qui va entraîner une turbine qui elle-même est reliée à un axe qui fait pivoter cette aile qui tourne. Et c'est pour ça qu'on appelle cela des voilures tournantes. Quand on est pilote d'avion, on tire sur le manche, on monte. Quand on pousse, on descend. Quand on met le manche à gauche, on va à droite. Et si on va à gauche, on va à gauche. On incline à gauche et si on met le manche à droite, on incline à droite. Eh bien, dans l'hélicoptère, si c'est à peu près la même chose, on va rajouter une commande supplémentaire qui va être le changement du pas de l'hélice. Et on va conjuguer cet ensemble comme un harmoniste va jouer avec son différent clavier. Et c'est là où justement tout devient compliqué. Parce qu'on peut tirer sur le... On peut augmenter la vitesse du moteur en tournant une poignée sur cette poignée en la tirant vers soi, en la fermant. Et si on pousse sur le manche, l'hélicoptère n'avancera pas. L'hélicoptère, il va juste pencher vers l'avant. Alors, il va falloir mettre un peu plus de vitesse, cyclique, etc. et de vitesse. Et donc, le moindre souffle de vent, bien évidemment, le pousse. Et compte tenu du vent qu'il y a, c'est une prouesse qui est faite. On n'a pas l'impression, on croit que cet avion, finalement, il se pilote comme les autres. Oui, il se pilote comme les autres, mais il se pilote autrement, avec beaucoup d'anticipation. Le moindre... Olivier Leblon, note 1. Et un homme qui est armé d'un canon, un canon pour prendre des photographies.
Un avion qui pèse 3 kilos. On continue un peu les démonstrations. Je tente de conserver le ciel pour nous. Et on revient d'ici à peu près une demi-heure pour de nouvelles démonstrations en vol. Ce que ce but, eh bien cet après-midi, ce sera pareil et en mieux. Ouais.
Florian Chabot et son extra. Presbytérien, il est américain, on est dans les années 30 et il souhaite que son pays américain puisse avoir un avion pour faire de la hostilité aérienne. Il s'appelle Marc Pitts. Et Marc Pitts va prendre des planches littéralement, va construire un avion et cet avion il va voler un petit peu avec, il va le casser parce que cet avion vole très mal. Il va donc redessiner un deuxième avion et ça va être celui-ci. La Fédération américaine aéronautique refuse que Marc puisse décoller dans cet avion car il estime que c'est un porte-clés qui ne volera jamais. Il va donc consulter la médecine aérienne et il va glisser son avion au milieu des autres avions sans que personne s'en rende compte. Il va voler devant tout le monde. Et là, il dira à la Fédération américaine, ça va, ça vole.
perturbateur à d'autres moments. Il est aidant lorsqu'on veut décoller face à ces molécules qui nous viennent de face. Molécules qui nous aident à avoir une sustentation sur l'air, puisque c'est ou nous qui allons face aux molécules, ou les molécules qui viennent vers nous. Là, le vent qui se renforce, on le voit, et entraîne les modèles réduits. Il fait du surplace, carrément. Et il va venir se poser en travers de la piste, comme on le fait en vrai, face au vent. Et on va se poser, puisque le vent est à 40 km/h, on se pose sur quelques centimètres. Voilà. Et on applaudit très fort Ronan. Bravo! Maîtrise totale de cet avion.